Visualize your body as a pump. So as you breathe in, the whole body opens. And as you breathe out, it closes. Focus your thoughts between your palms. Try and feel a connection. Champneys, un des clubs de remise en forme les plus sélects d'Angleterre. Pour 1800 francs par jour, on peut espérer y maigrir, y retrouver la forme et faire de l'exercice. Au cœur de toutes ces activités, la nourriture est prépondérante. Ceux qui viennent ici sont persuadés que vie saine et nourriture saine sont indissociables. À ce titre, Champneys a un savoir-faire incomparable. D'abord une banane, deux gouttes de jus de citron et deux cuillères de crème épaisse. S'agit-il d'une recette de dessert? Ce masque de beauté convient à tout type de peau. Non, voilà à quoi elle est destinée. Mais à table, les choses sont bien différentes. Pour ce plat, 320 calories. La nourriture ici est en fait strictement surveillée. Pas de crème, pas de beurre, seulement des légumes frais du jardin. Champneys combine la phobie des Occidentaux pour la nourriture grasse et la nouvelle mode pour les influences orientales. Aucun doute sur les bienfaits d'un séjour ici. Et espérons que les effets d'un bon massage et d'un régime d'une semaine à base de légumes du jardin seront véritablement efficaces. This is the brush knee twister. Pour trouver le lieu où nourriture et santé sont indissociables, il nous faut voyager au-delà de l'Angleterre, en Orient plus exactement, là où l'équilibre physique n'est pas seulement réservé aux privilégiés, mais représente une manière de vivre pour toute une population. La Chine est la patrie du tai chi, une discipline basée sur le mouvement, la méditation et la respiration. Il est 6 h du matin et dans ce parc de Pékin, comme à travers tout le pays, on pratique le tai chi. Le tai chi est l'expression physique d'une philosophie qui guide les Chinois depuis des milliers d'années et que nous commençons juste à découvrir en Occident. C'est une philosophie de l'équilibre. Équilibre entre nous et l'univers, entre nous et notre corps, et par-dessus tout, entre nous et notre alimentation. Pour les Chinois, nous sommes des univers en miniature, faits des mêmes éléments et opérant de la même manière que l'univers. Alors pour rester en bonne santé, nous devons manger des produits qui reflètent l'équilibre de la nature. Pour les Chinois, la nature est constituée de deux forces principales, le yin et le yang, dans lesquelles s'expriment les notions contraires d'actif ou de passif, de mâle ou de femelle, de chaud ou de froid. Dans la nourriture s'expriment les mêmes forces et les Chinois en sont parfaitement conscients. Par exemple, la viande est yang, chaude, mâle et active. Les légumes, par contre, sont yin, froid, fécond et féminin. Toute la cuisine chinoise répond à ce besoin d'équilibre entre le yin et le yang. Voici un petit déjeuner chinois typique. On y trouve du pâté de soja, des protéines à l'état brut, des pâtes pour aider la digestion et des légumes marinés pour éliminer les excès de graisse. Les Chinois pensent que nourriture et santé sont indissociables. Ning est malade. Il se sent mal depuis une semaine et ne sait pas ce qu'il a. Il pourrait aller au dispensaire local, mais il a une meilleure idée. Ning va manger pour guérir. Voici un des restaurants Yaoshan. En chinois, Yaoshan signifie « aliment qui soigne » et c'est bien de cela qu'il s'agit. Ici, on prescrit des menus spéciaux, pas des médicaments ni de chirurgie. On trouve de tels restaurants dans chaque ville importante en Chine. La plupart dépendent d'un hôpital. Celui-ci est à Chengdu. À votre arrivée, la première personne qui vous accueille n'est pas un maître d'hôtel, mais un médecin. C'est très bien.
Bien. Vous avez un yang faible et un yin fort. Vous devez rééquilibrer votre corps. La médecine classique ne sera pas suffisante. Ce qu'il vous faut, c'est une nourriture équilibrée. Vous souffrez du déséquilibre entre votre rate et vos reins. Les reins représentent l'eau de votre corps et votre rate la terre. L'excédent d'eau a inondé la terre. Il vous faut renforcer votre yang, privilégier votre rate et prendre des aliments diététiques. Sinon, cet excès d'eau se transformera en mal de dos, migraine et fatigue générale. Mais docteur, ce restaurant est trop cher pour moi. Dites-moi également ce que je peux préparer chez moi. Évitez tout aliment de type froid, les fruits et les boissons froides, par exemple. Moins vous consommerez ce type d'aliments, plus vite vous rééquilibrerez votre corps. Voici donc l'ordonnance. Elle n'est pas destinée aux pharmaciens, mais aux cuisiniers du restaurant. Ici, on trouve des centaines d'ingrédients différents. Ning en utilisera plusieurs d'entre eux, comme cette herbe appelée Mutsei. Voici donc les médicaments de Ning. Là, il s'agit sans doute de son infirmière. Le déjeuner de Ning se compose de 8 plats. On y trouve du lapin à l'écorce de mandarine, de la tortue aux noix de cajou, des anguilles à la nette, des beignets d'herbe des montagnes, de l'aileron de requin au ginseng et au mutsei, exactement ce que lui a prescrit le médecin. Après le déjeuner, Ning se rend avec son ordonnance au marché aux herbes locales. Là, il trouvera tous les ingrédients dont il aura besoin pour ses repas. Chengdu est la capitale du Sichuan, la province la plus fertile de Chine. Et fertile ici n'est pas un vain mot. 100 millions de personnes vivent au Sichuan. La cuisine chinoise est apparue lors d'une famine. Tout ce qui poussait alors sur terre, nageait dans la mer, fut essayé. Tout ce qui était bénéfique pour la santé fut adopté comme aliment. Vous avez de l'arthrite, râpez donc du serpent dans votre soupe. Pour les migraines, essayez les insectes. Des hémorroïdes, les champignons noirs sont souverains. Des problèmes d'hernie, les clous de girofle sont du meilleur effet. Et ces petites racines, tout à fait recommandées pour l'éjaculation précoce. C'est ce qu'ils affirment en tout cas. Mais de toutes ces merveilles, il n'en est qu'une seule qui intéresse vraiment Ning, le Mutsei. Le mot est intraduisible, mais cela ressemble beaucoup à notre réfort. Dans la médecine chinoise, c'est un médicament souverain contre les saignements, la mauvaise vue et l'excès d'eau dans le corps. Ce Mutsei devrait lui durer un mois, au bout duquel, on l'espère, son yang sera rétabli et son excès de yin éliminé. L'équilibre alimentaire est au cœur même des préoccupations du foyer chinois. Chaque famille chinoise connaît un plat qui est la quintessence de l'équilibre alimentaire. Grandes spécialistes de cuisine et d'opéra chinois, les sœurs Fan vont nous révéler quelques-uns de leurs secrets.
Aujourd'hui, elles ont invité quelques amis pour le repas dominical, un repas à la pékinoise. Voici leur recette secrète. D'abord, on met du vinaigre. Le vinaigre a un parfum amer et chaud, excellent contre l'intoxication alimentaire et la jaunisse. Puis le sucre. Parfait pour équilibrer le vinaigre. De la sauce de soja. Puis les poireaux chinois, de l'ail, du gingembre. Ce qui réchauffe l'organisme. Du vin de cuisine. Un peu de fécule et d'eau. Puis bien sûr une pincée de glutamate, le diable incarné selon les experts occidentaux. Mais les Chinois s'en moquent. Quand tout est prêt, je ferai chauffer l'huile, je verserai la sauce, je laisserai frémir un moment et ce sera prêt à verser sur le poisson. Telle est donc cette potion magique chinoise qui accompagne tout, des algues de mer aux rouleaux de printemps, en passant par le canard et les beignets. Et pour finir, le nec plus ultra en matière d'équilibre alimentaire. On l'appelle Tung Tzu Tze, et de vous à moi, il s'agit de la merveilleuse, extraordinaire sauce aigre doux. On en trouve de Pékin à Limoges et de Shanghai à Bruxelles. Elle est incomparable pour accompagner tout repas équilibré composé de porc et de poisson, de poulet et de crêpes de chou vert et d'oignons de printemps. L'harmonie des contraires est-elle suffisante pour l'équilibre du corps? Pour répondre à cette question, il nous faut encore voyager. Au Japon, on estime que la présentation des aliments contribue aussi très fortement à l'équilibre du corps. La cuisine des bouddhistes japonais est sans doute la plus dépouillée qui soit au monde. Le temple Sankoin à Tokyo est un monastère bouddhiste zen, mais c'est aussi bien autre chose. La nourriture végétarienne y est si raffinée qu'après y avoir goûté, les visiteurs demandent tous à la mère supérieure de leur enseigner cet art. Désormais, le temple est aussi une école de cuisine. La nourriture ici est strictement végétarienne. Pas de viande, pas de poisson, ni même de produits laitiers. Un summum en termes de diététique. Cette manière de préparer la nourriture a pour nom Shōjin Ryōri. Elle est vieille de 600 ans, lorsque le bouddhisme japonais fut pour la première fois influencé par le zen, l'art de la forme pure. Les épouses japonaises qui viennent ici doivent tout oublier pour ne penser qu'à la nourriture. C'est un apprentissage difficile, car chaque plat a sa propre couleur, son propre goût, sa propre texture. En comparaison, nos plats de légumes occidentaux paraissent ridicules. Tout ici, même les gestes, repose sur la simplicité. En fait, c'est le détail final qui fait toute la différence. Shōjin Ryōri signifie progrès spirituel, et on dit que ceux qui pratiquent cet art se rapprochent du paradis. Selon la cuisine Shōjin Ryōri, il y a 5 couleurs, et ceci est extrêmement important. Laissez-moi vous montrer.
Voici le rouge, cela signifie l'espoir et la vie. Voici le noir, c'est la terre. Voici le blanc, c'est l'eau. Le brun, pour le bois et le métal. Et voici le vert pour la paix et la tranquillité. Mettez toutes ces couleurs ensemble et vous aurez le cosmos. Le parfait repas de Zen a pour but de rassembler toutes les couleurs, goûts et textures du monde en un seul repas. Mais la philosophie japonaise en termes de nourriture va même au-delà de cela. Le bien-être dépend aussi d'une harmonie intérieure qui ne vient pas seulement de la nourriture, mais aussi de la manière dont elle est servie et consommée. Une autre des clés de cette philosophie se trouve dans une tasse de thé. Voici Tai, Mitsuo, Yoko et Norika, des femmes qui travaillent à Tokyo. Elles étudient l'art de servir et de boire le thé. La fameuse cérémonie du thé est une tradition très ancienne que pratiquent encore 10 millions de Japonais, principalement des femmes. Là encore, tout repose sur la simplicité. Chaque geste est réduit à son strict minimum, comme pour le yoga ou le tai chi. Chaque moment de la cérémonie favorise l'équilibre mental des participants. Ainsi, en réduisant le stress, la pression artérielle diminue, le bien-être physique s'en ressent. Tous les gestes de Noriko sont codifiés, et l'essuie et rince les bols utilisant seulement le minimum d'objets nécessaires. Le thé est la première boisson consommée au monde après l'eau. On le trouve dans toutes les cultures, chinoises, japonaises, mais aussi russes, indiennes, anglaises et françaises. C'est par centaines que se chiffrent les variétés de thé. Thé vert, noir, rouge, semi-fermenté, parfumé, en feuilles entières ou coupées. Il provient des quatre coins du monde. Cette cérémonie montre que ce n'est pas seulement ce que l'on fait qui est important, mais comment on le fait. Lorsque le thé est prêt, on tourne le bol pour que le motif décoratif soit face à l'invité de marque. Pour les femmes, cette cérémonie est considérée comme l'essence même de la culture japonaise. La cérémonie est presque terminée. Les femmes n'auront plus qu'à ranger leur kimono pour enfiler leur jean. Si vous vous sentez détendu après cette cérémonie, cela vous aidera à surmonter le stress quand vous vous retrouverez dans les rues du Japon moderne. Voici Tokyo tel que nous le connaissons. Vêtements à la mode, casquettes de baseball, ses coupes de cheveux dernier cri. Et au vu de ces images émerge l'étrange contradiction qui nous a accompagnés tout au long de cette quête sur les anciennes philosophies culinaires de l'Orient.
Durant des centaines d'années, le Japon a vécu replié sur lui-même, une société totalement isolée du reste du monde. Mais en 1853, tout change. La première force expéditionnaire américaine débarque en baie de Yokohama, forçant le pays à s'ouvrir sur l'Occident. Les soldats américains leur paraissent des géants et les Japonais se sentent inférieurs. Lorsqu'ils demandèrent que faire à l'empereur, la réponse revint cinglante, grandissez. Rapidement, ils comprennent pourquoi les Occidentaux sont si grands, parce qu'ils mangent du bœuf et des produits laitiers. Mais le bouddhisme interdisait la consommation du bœuf, affirmant que celui qui en mangerait renaîtrait sous la forme de l'animal. Mais devant l'influence des protéines, les Japonais taisent leur réticence et se mettent à consommer du bœuf en quantité. Au temple de la vache, à Matsuzaka, les fermiers locaux viennent prier pour les âmes des animaux qu'ils ont élevés puis abattus. Le bœuf de Matsuzaka passe pour être le meilleur au monde. Moritomo-san est un éleveur de la troisième génération et il s'occupe de ses animaux avec une dévotion quasi paternelle. Ils grandissent avec nous. Ils font partie de la famille. On s'est mis à les aimer et si on ne les aimait pas comme nous le faisons, on ne pourrait pas les engraisser ainsi. Les animaux savent qu'ils font partie de la famille. Il existe un lien réel entre nous. C'est comme ça que nous les élevons. Ces vaches ont un lustre magnifique. Le massage aide la circulation, huile la peau et répartit la graisse de l'animal. La chair est ainsi persillée. La viande de ces animaux est si chère qu'un filet peut coûter jusqu'à 800 francs. Mais comment engraisse-t-on les vaches de Matsuzaka? En fait, un peu comme nous. Surtout pas d'exercice et un régime à base de bière. Après une longue journée de soins intensifs, les vaches de Matsuzaka aiment se détendre en buvant un demi ou deux. Voilà ce à quoi ressemble le bœuf de Matsuzaka au restaurant. D'abord le lard, puis on fait frire la viande. Ensuite, un peu de sucre, auquel on rajoute la sauce de soja salée. Et pour un peu plus de cholestérol, on prépare un œuf cru. Le concept d'alimentation saine est donc bien complexe. Les Occidentaux ont déclaré la guerre aux calories, les Japonais, eux, veulent grandir. Et voilà pourquoi ceux qui ne peuvent s'offrir du bœuf de Matsuzaka se retournent vers le burger, l'alternative au sushi pour de nombreux Japonais et l'ennemi public numéro 1 à Champenaise. Certains Occidentaux sont fascinés par l'alimentation des Orientaux, ce parfait équilibre entre le yin et le yang. Mais les jeunes Japonais sont beaucoup moins romantiques à ce point de vue. Comme beaucoup d'autres, ils ont adopté la culture du fast-food avec enthousiasme. Les échanges Est-Ouest en termes d'habitudes alimentaires sont compliqués. Mais dans un monde de plus en plus alerté des problèmes de santé, nous cherchons tous à évaluer les bienfaits cachés de nos alimentations respectives.